Ginny disparut soudain. Potter, je suis très occupé. Professeur, nous avons des renseignements à vous donner. Mimi Geniard, la fille qui a été... Ah, enfin... Ah, c'est toi. Te demander comment tu es morte. C'est abominable. J'étais venue ici parce qu'Olive Hornby s'était moquée de mes lunettes. Je me suis cachée dans une cabine et je me suis mise à pleurer. Alors, j'ai ouvert la porte pour lui dire de filer et d'aller dans les toilettes des garçons. Et c'est à ce moment-là que je suis morte. Comment ? Aucune idée. Je me souviens seulement d'avoir... À quel endroit exactement as-tu vu ses yeux ? Près des lavabos. Regarde ! Les robinets se changent en serpents ! Essaie de dire quelque chose en fourche-langue ! Bon, je vais essayer. Ouvre-toi ! Viens à moi. J'y vais. Eh bien, je crois que vous n'avez plus besoin de moi. On sera juste derrière toi, Harry. N'est-ce pas, professeur ? Oh mon Dieu ! Thank you.
Ah ! Ah ! Te voici ! Attention, il a perdu la mémoire ! Moi ? Non, pas le grand Gilles de Roy Lockhart. T'as vu ? Je vais retourner à l'école et leur dire qu'il était trop tard pour sauver la fille et que vous avez tragiquement perdu l'esprit à la vue de son corps muté. Oh, je sais ce qu'il va faire. Il va essayer de nous jeter un sortilège. Oui, mon célèbre sortilège d'amnésie. Désolé, les gars. Attention, sortilège d'amnésie. Baou. Ron, tu n'es pas blessé. Je suis là. Moi, ça va, mais l'autre idiot en a pris un coup. Son sortilège. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas passer. Ça va prendre un temps fou. Il n'y a qu'une chose à faire. Attends-moi là, je continue. Il y a maintenant plusieurs... D'accord. Je vais essayer de déplacer un peu ces rochers.